Alors, si dorénavant vous souhaitez vous lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à vous servir de mon référal code, donc celui qui est affiché à l'écran, en majuscule avec les tirets, à la création de votre compte sur le site RSI, et uniquement à la création, ça ne marchera pas après. Vous insérez ce code dans vos paramètres personnels. Ça vous fait gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu, ce qui n'est pas négligeable. Et personnellement, ça me permet de monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo maintenant. Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, les actus donc du 4 septembre. Eh oui, il y a encore des actus. CIG vient de rajouter deux hotfix qui sont apparus très tôt dans la matinée. Qui corrige, alors qui vont pas influencer ce que vous avez mis dans les raffineries, les consommables, ça va rien vous enlever à ce niveau-là. Enfin, du moins normalement non, mais on n'est jamais à l'abri de voilà d'un petit souci quand même. Ça va en partie, c'est censé réparer le problème des caisses qui se clipsent quand vous les sortez d'une grille de cargo par exemple et vous n'arrivez plus du tout à les bouger. Ça peut arriver. Voilà des soucis de cet ordre-là. Et l'autre, c'est quand enfin, vous êtes mort ou vous réapparaissez suite à une déco ou quelque chose comme ça et que votre personnage est complètement KO, quoi, cassé. Donc, apparemment, ces deux hotfix vont principalement servir à réparer tout ça. Donc, c'est déjà une très bonne chose, hein, globalement. Alors moi personnellement, je préférerais qu'il nous fasse. Oui, j'ai rien contre qu'il nous fasse des hotfix, mais tous les 2 jours, pour moi personnellement, c'est un peu chiant. Après, pour ceux qui sont pas embêtés comme moi, qui sont pas obligés de recharger intégralement la live, c'est plus pratique. Oui, c'est vite fait. Mais quand on doit recharger intégralement la live parce que ce bon sang de bonsoir de Shadow est pas foutu de faire la mise à jour, c'est un peu chiant. Un petit peu chiant. Petit message à CIG ou à Shadow, démerdez-vous. Alors, ça calme, ça me courait sur le haricot depuis quelque temps, donc ça fait du bien de le dire. Alors ensuite, la bonne nouvelle, c'est, on a entendu parler donc de la 4.0 en Tech Preview RMQ. Bah voilà, ça serait pour la fin de semaine, peut-être vendredi, bah, s'il n'y a pas de retard, voilà. Donc bah ça y est, la 4.0, ça commence maintenant. Alors les évocatifs sont contents. J'en connais un qui est en train de s'assouplir les poignets, de faire des exercices d'élongation pour de longues périodes de test. Voilà, il s'entraîne, caféine, voilà, la poudre, musculation, il fait tout là, en ce moment. Non, enfin, il est super content de pas commencer à s'attaquer à ça. Donc la 4.0 est en route, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Alors, chose n'est pas coutume, bah, je parle que de Star Citizen. Et là, du coup, il y a un sujet qui est intéressant concernant Star Citizen. C'est ceci. Alors, c'est un OTAS de chez Turtle Beach. Donc, Turtle Beach. Il est actuellement à 360 balles, alors qu'il normalement il est à 400 quasiment. Alors, je suis partagé, c'est un peu cher. C'est un petit peu cher, peut-être pour ce que c'est. Mais d'un autre côté, il offre des. Enfin, déjà, il a un design qui n'est pas dégueulasse, hein, déjà. Et quand on voit plus de caractéristiques, donc là on le voit sous sa forme, apparemment ici il a des touches tactiles, voilà, c'est un écran tactile apparemment, ça serait une bonne chose. Et là c'est un truc tête haute OLED, un écran OLED tête haute. Bon, je repère qu'il y a une molette. Donc pour le prix, là, à l'heure actuelle, il est 50 balles plus cher qu'un X56 de chez Logitech. Mais grosso modo, il offre plus ou moins les mêmes choses. Enfin, le système tactile, à voir les options qu'il y a dessus. Hein. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Il a l'air plutôt pas mal. Je ne sais pas si on peut en voir un peu plus le concernant. Fonctionne très bien, une fois pas bien paramétré, répond à toutes les attentes. Voilà.
Bah lui, l'Allemand n'a mis que 3 sur 5. 5 sur 5, 5 sur 5. Il n'y a pas d'autres commentaires. C'est un joystick qui est apparu il n'y a pas très longtemps. Et alors, dans les compa ouais, en compas, Windows 10, Windows 11, ok. Et Microsoft Flight Simulator, machin, et Star Citizen, voilà, War Thunder, Star Wars Squadron et Dangerous, enfin il est compatible dans bien des jeux. Alors Turtle Beach, c'est pas une marque que je connais, tous ceux avec qui j'en ai parlé disent que c'est du bon matos. Pour l'instant, j'ai entendu personne m'en dire du mal, tout le monde me dit que Turtle Beach, c'est du très bon matos. Alors 400 balles hors promotion. À voir, hein. Ça douille quand même, mine de rien. Après, oui, il est pas vilain, hein. Il est pas vilain du tout, hein. Ouais, voilà. Je suis réglable en hauteur. Ah, c'est une molette pour régler la hauteur, peut-être. Ah, ok. C'est pas une molette de. Ah, je me disais. 139 boutons programmables, ouais, bon, bah voilà. Hein. Écran tactile. Donc c'est ça. Ok, avec des sticks. C'est peut-être paramétrable ça. Ah bah il y a une molette là. Ouais. Écran OLED. Spécification, connectique, USB. Mise à jour du micro-logiciel, option de montage, le poids, dimension, caractéristiques additionnelles, ça peut être intéressant. Joystick modulaire, ouais. Réglage en hauteur, mode de ciblage, probablement, régler la sensibilité du joystick principal pour le ciblage précis des ennemis. Module de manette inspiré des avions de chasse du. Des deux moteurs, chaque levier de manette offre, il y a le pas de. Oui, bon, ça, c'est le X56 là. Cran de manette réglable. L'aftermarket, audio avantage. RGB, bien sûr. Et Flight vous permet d'avoir un accès ultime aux performances du produit de sa fonctionnalité disponible dans les PC. Au Flight Deck, grâce à la mémoire intégrée. Vous pouvez facilement mettre à jour le firmware grâce à l'application. Ouais. Support et téléchargement. Bah ça, je crois que c'est les avis. Ouais, c'est les avis. Ouais, bon, bah. 400 balles quand même. Je crois que c'est 80 balles plus cher qu'un X56. Mais de ce que je vois là, c'est. Bah, c'est pas déconnant. Hein. Alors là, est-ce que. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Il y avait une vidéo, je la retrouve pas. Ah si, elle est là. Ouais, on peut modifier l'écran en fait, hein. On peut modifier l'écran, il y a plusieurs pages. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, joystick directionnel sur le throttle. Bah, pour ceux qui font pas de combat, un hotas, ça fait parfaitement le café, hein. Ah, il y a trois touches là, ouais, c'est sympa. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bah après avoir avec le temps si c'est solide ou pas. Ah il y a des molettes, il y a un peu de tout. Ah oui ça c'est l'avant du trottle. Ah ouais non il a tout ce qu'il faut. Hein. Enfin quand même 400 balles. Ça c'est une autre version j'ai l'impression. Enfin voilà. Si jamais ça tente du monde. Et moi, ce qui me rend très curieux, c'est de connaître des gens qui l'ont. De connaître des gens qui l'ont, qui l'utilisent, et savoir ce qu'ils en pensent. Donc, s'ils veulent parler avec nous de
De ce au TAS, ils ont qu'à nous contacter sur Discord et nous dire ce qu'ils en pensent. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le Verse. Ciao, 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 ciao tout le monde!